et sœurs, nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Honorable Marianne, députée de la circonscription unique de Libénier, chères autorités civiles, militaires et politiques, chers frères et sœurs en Christ, révérends pères, révérendes sœurs, religieux et religieuses, la paix du Christ. Nous voici réunis pour ce rendez-vous de communion, la communion d'une Église, la communion qui fait donc avancer vers le Christ lui-même, mais laquelle communion est reçue de lui. Au début de cette célébration eucharistique, messe chrismale, mais aussi appelée messe de communion, nous sommes tous appelés à nous tourner vers le Christ ressuscité, à lui offrir nos infirmités, nos péchés, nos limites, et à solliciter auprès de lui la grâce de la réconciliation, la grâce de la miséricorde, la grâce d'une vie fraternelle. Tous d'un seul cœur, d'une seule âme, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
Samona Kuyiba, Kepo na Zambi, Kuna na Zulu, Kizulu na Toto na Bantui na ya Kizulu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Kanda ya teteto, première lecture. L'envoyé de Dieu, revêtu de l'Esprit de Dieu, auprès de qui est-il envoyé? Quelle est la teneur du message de Dieu qu'il est chargé de leur apporter? Finalement, cet envoyé de Dieu, qui est-il lui-même? Un roi? Le prophète? Lui-même? Ou le Messie? Beto Kelandayao, na jibuko ya mbikuti Isaïe, ki kapo ya mbikuti sabano na mosi, mulonga ya tete ete ya tatu, kupaka jaka mulonga ya sabano, te milonga ya nana te ya ivoa. To Isaïe, le chapitre 61, les versets 1 à 3, suivi du verset 6, puis les versets 8 à 9. Samu na nzambi mebiadi samumu na kijimbu ya mafuta ya santu. Yonji mefidi samumu na kumuangisa nzambu ya kese na bawelo. Kubelusa baina kele na bachima ya kumwala. Kumuangisa na baina kele na boloko nzambu ya lufukulu. Pe na baina bake kwa misaka kimpwanza. Kupesa nzambu ya mungu Yambote ina nzambi mekubika. Pe kilumbu ya lufundusu ya nzambi ya beto. Ni ya wina. Baina nyoso kejila. Muke kusuna matangasa ya bao. Na kijimbu ya bombi ya lunyongo ya masumu ya bao. Muke tula na zulu ya itu ya bao. Imbu ya bufumu. Baina kwanjiki na kiaji. Muke yevisa bavu na mafuta ya kilengi. Baina vwanjiki na manyongi, muke pesa bavu balele ya matanga. Beno, bake bokila beno banganga nzambi ya fumu. Bake bokila beno jaka visaji ya nzambi ya beto. Ni ya wina, muke pesa beno musendo. Pe muke zenga na beno kinjiku ya mona. Jikanda ya beno keza mbuka na katikati ya makanda nyoso. Pebana ya beno na katikati ya bantu nyoso. Baina nyoso ketala jikanda ya beno, bake bambuka moyo na ya uchi. Yai ni jikanda ina nzambi mesema. Kanda yai vesuka awa. Kele na malongi ya kindiku ya seko. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Méditons la parole de Dieu avec le psaume 88. Yeah.
Kanda ya Soleto, deuxième lecture. Yesu Kristu zola kabeto, te na mwangisa minga yanji na zulu ya kusu. Samo na kukula peto na mundongo ya masumu ya peto. Yanji mekumisa peto jikanda ya bangala nzambi. Samo na kusajida nzambi tata ya yanji. Le Christ nous a aimés jusqu'au sacrifice de son sang pour nous délivrer de nos péchés. Il fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. Écoutons la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 1er, du verset 5 au verset 8. Écoutons. Mort, le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Thank you.
C'est ton chapitre procréatuel du 16e au 21e verset. Jésus vient à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et il leva pour aller faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Esaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libérés et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu. Nous adorons Seigneur Jésus. Bento qui vend le ça
La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Et pour cela, nous avons dit. Nous avons dit. Honorable député de la séquence hégémonique de Divenir, distinguées autorités politiques, administratives, militaires et judiciaires, Monseigneur le Vicaire Général, chers ouvriers apostoliques, révérends abbés, révérends pères, religieux et religieuses, chers frères et sœurs fidèles du Christ, la paix du Christ! Je souhaite une bonne fête à tous les prêtres aujourd'hui et donc bonne fête à tous mes confrères. La dernière fois, j'avais dit que pendant la prochaine fête ou encore la messe chrismale, il serait bon et bien que chaque conseil pastoral paroissial prépare un cadeau pour leur prêtre. J'ose croire que aujourd'hui, il y a qu'une avant-main, mais il y a qu'un retour qui est bon pour comme assez pour regretter. Même qui a regretté très bien parce que il va faire, il y a qu'une fête, il va m'épeler. Alors, il m'a préparé des cadeaux, mon band a dit, qu'il m'a préparé qu'il y a un petit parce que c'est vraiment la fête aujourd'hui pour nos prêtres, les ouvriers apostoliques de nos paroisses. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette cathédrale pour célébrer la messe chrismale. Cette messe nous renvoie à une tradition sacrée qui remonte à l'Église primitive, consistant à bénir les huiles saintes qui seront utilisées tout au long de l'année dans les sacrements de baptême, de la confirmation, des ordres sacrés pour l'onction des malades, ainsi que pour la dédicace des églises et des autels. Oui, nous sommes donc en joie de vivre cet événement. En diocèse. La messe chrismale nous rappelle notre connexion intrinsèque avec le Christ notre Seigneur. En effet, le mot Christ vient du grec Christos, qui veut dire loin, celui qui a reçu l'ancien, le Messie. Dans l'ancienne alliance, l'onction d'huile était un acte symbolique utilisé pour consacrer et mettre à part des individus pour des rôles spécifiques. Les prophètes étaient oints pour recevoir les messages divins et parler au nom de Dieu. Les prêtres recevaient l'onction pour leur fonction sacrée dans le temple. Les rois, quant à eux, étaient oints en signe de leadership pour gouverner le peuple de Dieu. Oui, nous sommes donc de la classe de ces oints qui sont choisis par Dieu, chacun pour exercer un service. Jésus, dans le passage d'Évangile que nous venons d'écouter, dit qu'il a reçu une onction, celle du Seigneur. En lui s'accomplit la prophétie d'Isaïe concernant le serviteur du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur,
Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus est le Christ parce qu'il a reçu cette onction. Le mot chrétien renvoie au Christ notre Maître. Comme lui, nous avons aussi reçu l'onction. Nous participons à l'onction du Christ. Nous sommes des femmes et des hommes oints. Nous sommes le peuple de l'onction, l'église de l'onction, la paix du Christ. Amen. N'ayons pas peur. Très souvent, quand ces églises sœurs parlent de l'onction, nous avons le sentiment que c'est une réalité qui nous est étrangère. Mais non, soyons fiers de notre foi. Nous avons reçu l'onction de Dieu. De par cette onction, nous bénéficions des grâces qui vont avec la paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chrétiens, nous le sommes et fiers de l'être. Professons notre foi avec fierté parce que le Seigneur nous a choisis. Il nous a accordé cette onction de par notre baptême, de par le sacrement que nous avons reçu, et aujourd'hui, nous sommes parmi ses enfants, choisis pour marcher sur le chemin du Seigneur. Ainsi donc, fiers de l'être, conscients de l'être, nous sommes donc ceux qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle de la libération, la bonne nouvelle qui remet la joie dans le cœur des uns et des autres. Si tant est que dans notre marche, nous ne procurons plus la joie, revenons dans les tréfonds de notre être, sollicitant l'avènement du Christ dans notre cœur, pour retrouver la flamme de la joie, la flamme de la liberté, la flamme qui nous envoie donc vers les autres pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, je disais que au cours de cette messe, nous allons bénir les huiles, le saint crème, que nous allons consacrer au cours de cette Eucharistie, est un mélange d'huile d'olive, de pomme et d'autres substances odoriférantes. Le parfum du Saint-Crème rappelle aux disciples du Christ que nous sommes tous appelés à vivre en odeur de sainteté. J'ai dit en odeur de sainteté. Le baptisé, le confirmé, le prêtre, et l'évêque sont tous oints du Saint-Crème. Nous sommes donc appelés à parfumer notre environnement du parfum de Dieu, la paix du Christ. Amen. Du parfum de Dieu. Que chacun de nous puisse se poser la question suivante. Qu'ai-je fait de mon onction? Qu'ai-je fait de mon onction? Suis-je en train de répandre le parfum agréable de l'amour de Dieu et du prochain? Qu'ai-je fait de mon onction? Suis-je capable, suis-je en train de répandre le parfum agréable de l'amour de Dieu et du prochain? Ou au contraire, suis-je en train de répandre un gaz toxique qui empêche les autres de mieux respirer. Diffamer son frère ou sa sœur, répandre les fausses nouvelles contre nos frères dans l'église, famille de Dieu, diviser la communauté et les mabondous par nos paroles et nos gestes sont un véritable pollution atmosphérique incompatible avec l'onction du Saint-Crème que nous avons reçu. Chers frères et sœurs, qu'ai-je fait
de l'onction que j'ai reçue. Qu'ai-je fait donc de la bonne odeur que le Seigneur m'a donnée? Qu'ai-je fait du rayonnement, la grâce du rayonnement que le Seigneur m'a donné? Autrement dit, qu'ai-je fait de mon baptême? Oui, baptisés, nous le sommes. Confirmés, nous le sommes. Prêtres, nous le sommes. Évêques, nous le sommes. Mais comment nous vivons ces réalités reçues de Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser chacun, dans son environnement, chacun à son niveau. Mes frères, si tant est que nous sommes les porteurs de la joie, les porteurs de la vie, les porteurs de la lumière, que le nom du Seigneur soit loué. Si tant est que nous sommes les porteurs de division, les détracteurs de nos frères et sœurs, les instigateurs de division, que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous accorde la grâce de nous réveiller, de sortir de notre prison et de devenir des hommes et des femmes libres. C'est le temps de l'interrogation. Le Christ Jésus nous dit que son onction a pour but l'évangélisation des pauvres. Je reprends, l'évangélisation des pauvres. La proclamation de la bonne nouvelle aux pauvres se fait à travers des paroles et des actes de libération dans qui témoignent de la venue du règne de Dieu parmi les hommes. Notre consécration baptismale, donc, et notre consécration sacerdotale sont donc orientées vers le service des autres. Vers le service des autres. On ne devient pas prêtre pour soi. On ne devient pas chrétien pour soi. On ne devient pas évêque pour soi. On devient chrétien, prêtre, évêque pour les autres. Nous sommes donc au service des autres. Pendant le temps de notre recollection, le Père nous a orientés vers cette problématique de la fraternité. Et il a fait appel au personnage de Caïn et Abel. Qu'as-tu fait de ton frère? M'avais-tu érigé gardien de mon frère? Mais aujourd'hui, chers frères, la fraternité nous appelle à être au service des uns et des autres, par ricochet de la communauté. Interrogeons-nous si réellement nous sommes au service de nos frères. Quand on a parlé aux prêtres, aux consacrés. Mais le laïc peut dire, moi, ce n'est pas mon problème. Mais je veux dire, toi, femme, qu'as-tu fait de ton mari? Marie, qu'as-tu fait de ta femme? Père et mère, qu'avez-vous fait de vos enfants? La question est prolongée dans la communauté. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés chacun à son niveau à s'interroger. Je parlais là donc du Saint-Crème. Mais je parlerai aussi de l'huile de catéchumène que je vais bénir. Cette huile nous rappelle la nécessité et l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou à peine entendu dans tout le territoire de notre diocèse. Tout en remerciant les catéchistes de notre diocèse pour leur sacrifice héroïque pour préparer les catéchumènes au sacrement de l'Église et pour les faire grandir dans la foi. J'exhorte mes frères prêtres
à s'investir personnellement et totalement à la catéchèse dans leur paroisse. Le prêtre doit lui-même être un catéchète de la foi et soutenir tout le travail de la catéchèse. Il ne peut se dérober à cette tâche sous prétexte d'avoir trop de dates, sous prétexte d'avoir trop d'autres tâches plus pressantes. Non, la catéchèse occupe une place prépondérante dans la dynamique pastorale. Alors, mes chers frères prêtres, soyez les catéchistes, les premiers catéchistes dans les paroisses que je vous confie. Les premiers catéchistes disaient que le Seigneur vous accorde donc la grâce d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce d'enseigner, la grâce de montrer le chemin, mais le chemin que le Christ lui-même nous a déjà montré. Mais en enseignant, nous sommes appelés à apprendre au quotidien. À apprendre au quotidien, ça veut dire la formation permanente doit être aussi au centre de notre être. Nous devons quotidiennement nous refaire, rechercher les batteries pour être capables d'illuminer, d'apporter la lumière à nos frères et sœurs. En bénissant l'huile des malades, par contre, nous portons dans notre cœur tous les malades dans notre diocèse et dans le monde entier, en particulier ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. À travers l'onction d'huile que les prêtres leur conféreront, l'Église, à la suite de son fondateur et époux, leur apporte la force et la guérison qui vient de Dieu. La force et la guérison qui vient de Dieu. La paix du Christ. Amen. En même temps, c'est pour nous l'occasion de nous soutenir et de nous souvenir que nos familles sont elles-mêmes malades. Nos familles sont elles-mêmes malades. Que notre société congolaise est elle-même malade. Que notre monde a besoin de guérison. Oui, la famille est malade. Nous avons donc l'obligation de prier pour elle. La société est malade. Nous avons l'obligation de participer pour qu'elle retrouve santé. Vous allez me poser la question, mais comment on peut dire que la société est malade? Mais regardons simplement, on a des bébés noirs, des bébés rouges, des bébés violets. Regardez simplement la société. On a du mal à dire merci. On a du mal à dire pardon. On a du mal à dire s'il te plaît. C'est-à-dire que c'est maintenant la loi du plus fort. Quand tu vas dans les administrations, on va dire tu me connais. On attaque même les administrateurs. Et en les attaquant, on dit, est-ce que tu me connais? Mais pourquoi veux-tu que je te connaisse? Je sais que tu es un homme. Je sais que tu te présentes devant moi. Je sais que j'ai à te servir. Mais il n'y a pas les « tu me connais ». Chers frères et sœurs, notre société est malade. Allons-y au centre de santé. On y va à l'hôpital général. Notre société est malade. Les infirmiers et infirmières qui se trouvent à l'hôpital général et dans d'autres centres sont nos frères et sœurs qui viennent chauffer le vent avec nous dans l'église. Et c'est encore ces personnes-là qui, lorsque vous n'avez pas payé, on ne remplit pas le service. C'est toujours nous. Et finalement, pour guérir la société, Dieu nous appelle tous, chacun à son niveau. Nous rappelons-nous
que nous sommes les oints de Dieu. Nous sommes les oints de Dieu. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde la grâce d'avancer. Le prêtre doit lui-même être aussi celui qui marche avec les autres pour solliciter la grâce de Dieu pour la bénédiction des uns et des autres, pour que chacun reçoive la grâce de la guérison. C'est pour nous l'occasion de nous souvenir que nous sommes appelés, mais vraiment, à solliciter la guérison, à la fois pour nos familles, notre société et notre Église. Pour guérir notre société malade, chacun de nous est appelé à apporter sa contribution, disais-je, annoncer aux captifs leur libération. C'est aussi délivrer ceux qui sont captifs de la famine, ceux qui ne mangent pas à leur faim. Voilà pourquoi notre diocèse s'est lancé dans l'agro-pastoral parmi les différentes orientations de, notre diocèse. Je vous exhorte tous à soutenir ces grands projets qui visent à réaliser l'autosuffisance alimentaire dans notre diocèse et ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Mais avant qu'on parle du diocèse, on partirait de petites cellules qui ne sont autres que les paroisses. Chaque paroisse, j'ai envie de paraphraser quelqu'un, un chant. Chaque paroisse, une activité agro-pastorale. De telle sorte que nous ne soyons plus là tous les jours à importer les surgelés qui viennent d'ailleurs. L'excès de consommation des surgelés apporte pas mal de maladies. Nous avons besoin des prêtres, des chrétiens en bonne santé. Et même ceci implique que chaque famille puisse avoir un petit lopin de terre à cultiver. Comment concevoir que nous, peuple du Niari, peuple de Tolésie, là où on a des espaces à perte de vue, que nous ne soyons pas capables de mettre un petit champ à côté de la maison? Comment concevoir que ces mamans de la Scola Populaire, remplies d'énergie et de joie, ne puissent pas avoir 3 hectares quelque part de champ? Comment concevoir que cette belle chorale, avec des voix angéliques, qui annonce la bonne nouvelle, à côté des espaces à perte de vue, que cette chorale ne puisse pas avoir 1 hectare de champ? Comment concevoir que la fraternité qui a été médaillée pour l'année passée comme étant, certainement, je me retourne quelque part, si je vois quelqu'un, il va sourire. Je veux parler de Saint-Michel. Comment concevoir que ces énergies que nous disposons, nous ne soyons pas capables de les transformer? Comment concevoir que les Yamboté, les Elisa, ne peuvent pas avoir une activité qui peut faire en sorte que ces enfants-là dépensent des énergies? Chers frères et sœurs, le Créateur nous a fait dents et Dieu une terre fertile. Cultivons-la et développons-la. Par notre travail de la terre, montrons aux autres que nous utilisons notre onction pour le développement intégral de l'homme, pour le développement de nos familles, de notre Église, de notre ville, de notre pays. Montrons que nous sommes les amoureux du travail, parce que loin de Dieu.
Frères et sœurs, en Christ, la messe chrismale est aussi l'occasion pour les prêtres de renouveler les promesses de leur ordination sacerdotale. Les prêtres. Le prêtre est vraiment un cadeau de Dieu pour la communauté et pour la société. Quand je dis cadeau de Dieu pour la communauté et pour la société, je suis sérieux. C'est vraiment un cadeau. Rendons grâce à Dieu pour les prêtres que le Seigneur nous a donnés. Soyons reconnaissants envers eux. Ils ont donné leur vie au Seigneur pour servir leurs frères et sœurs dans l'Église et dans la société. Ils ont donné leur vie, le temps de leur vie. Après beaucoup d'années d'études et d'initiation à la pastorale, ils ont dit oui au Seigneur pour se tenir debout en sa présence. Pour se tenir debout en sa présence. Tout en disant merci au Très-Haut pour les prêtres, disons-leur aussi merci. Très peu nous disons merci à nos prêtres. Mais disons merci à nos prêtres. En guise de gratitude envers nos frères, prêtres, applaudissons pour eux. La paix du Christ. La paix du Christ. Beto Zolanzani. Zolani Pondo. Applaudissant pour les prêtres, c'est comme si vraiment on a économisé par applaudissement. On applaudit pour nos prêtres. La fête du Christ. Vous savez, ces prêtres-là, ils ont fait tant de leur vie, mais à un niveau élevé. Parfois, peut-être penser que bah, mes pères, le bac est bien, donc mon baba déjà qui est bien, parfois peut-être prisé même puis ajouter ma problème avec l'union souna. Mais c'est des personnes qui ont fait don, mais un don complet de leur vie. Ils auraient, à partir du bagage intellectuel qu'ils disposent, ils auraient dû occuper les responsabilités que vous occupez aujourd'hui dans la société. Certains seraient des directeurs d'entreprise, d'autres des généraux, des colonels. Ah non, colonel, c'est pas. D'autres seraient encore les députés. Non, merde, c'est pas. Je parle pas de. Certainement qui ne devaient pas être à devenir. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Mais c'est pour dire que ils ont renoncé à tout cela pour annoncer la bonne nouvelle. Et si chaque paroisse, c'est pourquoi je vous disais que chaque conseil pastoral paroissial devrait penser en cette solennité offrir un cadeau à vos prêtres. C'est une marque de reconnaissance pour tous les efforts consentis dans le ministère du Seigneur. Pour leur faire comprendre aussi que nous reconnaissons les efforts fournis. Si ce n'est pas aujourd'hui, gardons ça en mémoire pour dire que nous, communauté chrétienne, sommes appelés à dire merci à nos ouvriers apostoliques. D'une manière ou d'une autre, au Cameroun, aujourd'hui, les prêtres sont remplis des présents dans leurs mains. Parce que, bon, eux, ils sont déjà dans cette culture. À Libreville, où ils sont en train de faire la messe chrismale, ils sont remplis aussi des présents. Parce que les chrétiens disent, mais non, on va accompagner nos prêtres. Mais aussi, chez nous ici, je sais que nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, certains ont pensé à nous et continuent de penser à nous.
Mais ceux qui ne pensent pas encore, je nous exhorte de penser et accompagner ces frères qui ont dit oui au Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Oui, cette messe est vraiment l'opportunité qui nous est offerte en tant qu'Église famille de Dieu, rassemblée autour de son pasteur propre que je suis, pour témoigner de notre reconnaissance pour tous les sacrifices consentis par ces êtres fragiles qui sont les prêtres. Je les appelle êtres fragiles parce que chaque fois, ils reçoivent la charge qui vient de l'extérieur, que eux portent. Et ceci les fragilise. Ceux-là même qui, par amour pour Dieu et pour son Église, sont au service de leurs frères et sœurs, plus particulièrement les pauvres et les démunis. Oui, le prêtre. Nous devons prier pour nos prêtres. Les accompagner, mais prier pour eux, pour que le Seigneur les accompagne. Prier aussi pour tout le presbytérium de Dolisie. Ils ont vraiment besoin de vos prières. Vous leur demandez souvent de prier pour vous, mais n'oubliez pas qu'ils ont aussi besoin de vos prières. Moi aussi, votre évêque, j'ai besoin de vos prières chaque jour. Le diable n'aime pas la prêtrise. Le diable n'aime pas la prêtrise parce que le prêtre ne partage pas avec le diable. Mais le prêtre prie et le diable fuit. Il fait tout pour détruire le sacerdoce, le diable. Voilà pourquoi nous devons intensifier nos prières pour les prêtres, pour les évêques, pour leur sanctification, afin qu'ils ne succombent pas aux séductions du diable, qui est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Oui, prions pour les prêtres, qu'ils ne succombent pas. N'oubliez pas de soutenir vos frères prêtres. Je sais que vous le faites déjà de diverses manières, mais pour reprendre une formule de saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, faites donc de nouveaux progrès. Faites donc de nouveaux progrès. 1 Thessaloniciens 4, 1. Ne vous lassez pas de soutenir spirituellement, psychologiquement et matériellement les prêtres de notre Église famille de Dieu qui est à Dolisie. Enfin, à vous, chers prêtres, chers frères, vous qui êtes mes plus proches collaborateurs dans la vigne du Seigneur, j'aurais fait pas grand-chose si je m'adressais à vous. Alors que vous vous apprêtez à renouveler les promesses de votre ordination presbytérale, je voudrais que tous ensemble, nous puissions faire nôtre ces paroles de l'apôtre Saint-Pierre adressées à ceux qui exercent la fonction d'ancien ou de presbytre dans l'Église du Christ. Suivez très bien, mes frères. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Celui qui estime qu'il n'est plus à sa place, qu'il ne force pas, qu'il vienne me le dire. Parce que je ne souhaiterais pas que vous fassiez votre ministère par contrainte. Celui qui n'est plus heureux, qu'il ne se dérange pas. Il peut venir comme Nicodème,
même dans la nuit, pour venir me voir et me le dire. Et on trouvera une solution ensemble. Non par cupidité, mais par dévouement. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant, en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant le modèle du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 1 Pierre 5, 2, 4. Passage à méditer pour nous tous. Passage à approfondir pour nous tous. Passage qui doit être notre leitmotiv pour la suite de l'année pastorale. Que chacun médite dans le tréfonds de son être. Chers confrères, chers frères, chers fils, heureux de vous avoir dans mon presbytérium, que le Seigneur bénisse chacun de vous, bénisse votre ministère, vous accompagne, et qu'il fasse de vous des pasteurs selon son cœur. Pour vous, nos frères et sœurs, prions pour nos prêtres, prions pour notre Église, accompagnons nos prêtres dans leur ministère. Ainsi donc, eux aussi prieront pour les familles, pour notre ville de Tunisie, pour notre département du Niamey, pour notre Congo. Que la paix, l'amour, la tranquillité soient. Amen. Amen. Chers frères, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous devant votre évêque que je suis et le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris? Le jour de votre ordination, par amour du Christ et pour le service de l'Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous était confiée. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je veux. Nous devons être fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je veux. Et vous, mes frères et sœurs en Christ, priez pour vos prêtres, que le Seigneur réponde sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverains et prêtres, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle
à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, priez pour nous. Seigneur, priez pour nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, nos prêtres du diocèse de Domitie, nous te promettons de vous aimer réciproquement, comme Jésus nous a aimés, pour vivre véritablement la communion fraternelle entre nous, avec notre évêque Toussaint. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elles deviennent, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. À présent, qu'on apporte le vase destiné à l'huile pour les catéchumènes. Voici l'huile destinée aux catéchumènes. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur, d'être bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne, rendus capables de devenir tes fils
il sera heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Quand on apporte à présent le vase destiné à l'huile pour le Saint-Crème. Voici l'huile destinée pour le Saint-Crème. Prions, frères et sœurs, bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique, lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui racheterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de la Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi,
tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Priez donc à mes frères prêtres de tendre la main avec moi pour solliciter la grâce du Seigneur sur cette huile, ce saint crème qui concourt pour notre édification. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Reprends largement le don du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par le sacrement où cette huile sera employée. Fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. La paix du Christ. Amen. Baya solo peto ne kuma na kichini na peto ke kabula kana nzambi. Peto ke bana na keto. Pe bana kabui na peto ne naka. Peto ke na tayau na momo ya action de grâce. Peto ke bana nzambi ya keto. La paix du Christ. Amen. Tant que vous êtes mani sa kento, beto kinaka makabuya beto. Beto kibakanzi. Thank you.
Thank you.
Le bongo Alex, le bongo divin, Père Ayant du Mossi, la paix de Christ. Amen. Nous allons également prier pour le repos des âmes de tous les prêtres et tous les ouvriers apostoliques de notre diocèse qui nous ont laissés. Thank you.
Chers frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Thank you.
sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
enfants d'une même famille, nous pouvons dire la prière que lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à notre diocèse de Dolisie. Donne la paix à notre département du Niamey. Donne la paix à notre pays, le Congo. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et qu'on y lave vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Messa ya kumunzali yeboka yemeni. Baina kile namuswa yetibulu lenda kutela malasa na ukuza kuyamba nzutu ya Yesu nzibu ya kubu.
la paix du Christ. Amen. Bekozole nonzambe. Mambu ya kutuba mingi kileve. Kaka kuvutula matondo na nzambi. Ina mepesa wetu tamu ya ya kufukana wapi ya kusambila kituwa dina nipero nyonsi. Nia wina tata funga na nzambi. Que remercier ma autorité politique, administrative, militaire et judiciaire. Nous sommes dans le cadre tango, il y a pour la quinquennat de la déto. Couvre la paix, ma tante, la tante Raphaël Bazébizonza, prédicateur de notre collection. Révérend Père, s'il vous plaît. Aussi, vous présentez un des Nalikan et Zab et la diocèse de Dolisi. Raphaël Bazébizonza, responsable de la jésuite na Congo, état de la Fondanzambi, et Boklayadi, na Kuiza, na Tabetu na récollection. Matono ni état de Raphaël Bazébizonza. Avec un brillant parole. Tata Raphaël, soyez assuré de nos prières. Tata Funganzambi, que vous trappez ma tombe dans la crise union sur les fidèles chrétiens. Tous les mouvements d'apostolat, recevez les remerciements, la gratitude infinie de Tata Monseigneur. Tous les acteurs liturgiques qui ont tout fait pour rendre belle cette rencontre avec le Christ. J'ai cité les choristes, la scola populaire, les enfants de cœur, les enfants Elisa, aussi les lecteurs ou la parole. Soyez-en remerciés. Tous les prêtres, les diacres, religieux et religieuses, sans oublier les grands séminaristes en congé de Pâques, soyez-en remerciés. Le personnel de la radio d'âme oxydatrice et de notre chaîne diocésaine YouTube, soyez remerciés. Et en dernier instant, gratitude infinie à toutes ces mamans qui s'investissent pour cuisiner pour les prêtres pendant les rencontres diocésaines. Maman Maïna qui est dans la cuisine, Kuna, qui est dans la ville de l'Ipeno, Matondo, Pénabelle Nyons. Maïna Nyons, mettant à l'Ukumbo, Matondo, Pénabelle Nyons, Matondo, 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 Nyons. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Nous sommes chanceliers, mais tu as tout à l'heure, 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 tu as Je vais vous assister. Je vais vous assister. Je vais vous assister. Parce que pour que nous ayons une belle église, nous devons avoir des familles où la parole de Dieu est ancrée. Nous devons avoir des familles où l'Esprit du Seigneur habite les cœurs des uns et des autres. Pour ce moment, pour cette montée vers Pâques, je souhaite déjà la bonne fête de Pâques à tous les prêtres qui, déjà à partir de demain, vont pouvoir rejoindre leur lieu de mission. Pour que, ensemble avec leur communauté paroissiale, marchent résolument vers Pâques. À tous ces prêtres qui vont faire vos déplacements, que le Seigneur vous protège, vous garde et vous accompagne. Et en cette fête, je réitère encore ma confiance paternelle à tous les prêtres, que le Seigneur
sache vous orienter et tout ce que vous allez toucher avec vos mains donne et produise des bons fruits. Bonne fête à tous les prêtres. À tous nos frères et sœurs qui sont partis de loin pour venir à Dolisy, union et communion dans le Christ, que le Seigneur sache vous ramener dans vos multiples lieux de travail, qu'il fasse précéder son Esprit Saint afin que vos voyages se passent donc sous sa haute protection. La chorale, merci encore. Hein, le chancelier l'a dit. Merci, Mato Domingi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne et sainte soirée à tous et à chacun. Merci.